Voilà, là j'ai 60 images secondes. Là, les premières minutes de mon précédent enregistrement, je comprenais pas, je m'effondrais à 10 images par 7 images secondes. Le truc incompréhensible. J'ai dû relancer et OBS et le jeu. Oui, donc j'avais une idée en tête qui, à mon avis, de toute façon, n'est pas valable. Je voulais bloquer les portes à quelque chose, mais non, c'est pensé pour que tu puisses pas le faire. Encore que, si je poussais le vis à aller chercher une caisse, mais est-ce que j'aurais encore entre les mains au moment de la phase de charge sauvegarde? Je vais pousser le vis jusque là. Je veux dire, j'ai plus de son, quel con, j'ai coupé le son du téléviseur. Ah oui, parce qu'il m'est arrivé aussi une autre histoire avant d'ailleurs. C'est que j'ai entendu un bruit sourd dans ma maison. Et en fait, c'était Marie-Laure qui gère les chats le matin, et même le soir d'ailleurs, la pauvre, qui nettoyait les caisses contre le mur de ma maison. Et à un moment, elle a tapé fort, par accident. Ce qui fait que j'ai cru à une intrusion ou à du vandalisme. Ce qui fait que je me suis précipité dans les étages inférieurs de ma belle maison. Merci papa, entre parenthèses. Et je me suis rendu compte que j'avais laissé la lumière du garage ouverte toute la nuit. Génial, allumée. Bonjour la facture d'électricité, surtout que c'était pas l'ampoule qui était économe. C'était l'ancienne génération qui est énergivore. Là j'ai le sourire carnassiolet en disant là, je vais douiller à la prochaine facture. Enfin bon, ça va, elle est restée allumée qu'une nuit. Mais bon. Dois-je rejeter la faute sur mon chenapan de neveu à qui j'ai dû étendre la lessive dans le garage puisque il était parti en trombe en oubliant son linge dans le tambour. Ah là là, voilà. Ce sera pour garder mémoire de mes aventures folles. Hold fire. Comment ça, c'est le feu? Oui, ah oui. Bon, allez, concentration. Je suis monté dans l'avion avec une énorme caisse pour bloquer l'accès à Miss Anna Devar qui nous les brise. Easy, we don't want any trouble. Oui, moi aussi, je veux pas un trouble. Bah, du coup, ça va permettre de tester le jeu, voir si je peux garder un objet dans les mains en passant d'une zone de chargement sauvegarde à l'autre. Transition de niveau en fait. Ah si, ça marche. Merde. Ah. Ah, ça peut s'avérer être amusant. Parce que si je fais ça, tu peux pas ouvrir la porte. Ah si. Oh non. Oh non. Ouais, on va voir comment ça marche. J'avais pris le soda lyophilisé ici. Ah oui, attends, il n'y avait pas le nanocode. Ouais. Ah non, c'est l'infocube. I surrender. What? Easy now, agent. UNATCO has a policy against killing unarmed prisoners. We have much to learn from each other. We're assuming control of the airfield. The vaccine will be returned to the international authorities. Don't you want to hear why your brother came over to our side? He makes his own decisions. You know he wouldn't betray UNATCO without a reason. Si, elle est bloquée la connasse. Eh ben ça me fait plaisir. Oh merde, parle, fais chier. J'ai réussi à bloquer la connasse. Je savais qu'elle allait arriver.
Ah, c'est bien programmé, il y a la condition qu'elle doit être présente. Ah putain. Ah, fait chier. Attends, j'ai pas vu. C'était quoi sur le lien? Ah, c'est un pistolet. Ah, mais du coup, mon truc est pas valable. Excellent. You have passed the final exam. My pleasure. Mission complete. A chopper is waiting outside to take you back to Liberty Island. Mais je veux voir la fois où le patron est pas content, parce qu'on a vu lorsqu'il était content, mais... I surrender. What? Don't you want... He makes it. You know... Ah bah là. Time for the final exterminate. I have the command here now. You are worthless if you cannot obey a simple order. If you know something, just tell me. The question you've got to ask, I'm surprised you haven't, is the obvious one. Who am I? Who made me, and for what purpose? UNATCO has briefed me on my augmentations. Get to the point. Return to base, Agent Denton. I will handle this. Your parents were murdered precisely because they could have told you the correct answer to that question. That's a pretty big claim. You didn't have parents. The ones you knew were employees. You were made by a couple of technophiles so crazed for power that they would control not only governments and people, but the chemistry of our bodies as well. Leave us, Agent. Now. Sounds like a picture-perfect description of the NSF. Think bigger, Agent. Think global. You have disobeyed a direct order. Do you think it's an accident that the cure for the global plague is owned by a single corporation, and that it's kept so secret that only the tabloids dare print a story suggesting it exists? The supply is limited. That doesn't mean there's a conspiracy. But where does that corporation manufacture the cure? And where did your brother uncover the information that brought him over to our cell? Go on. I can tell by the expression on your friend's face that she knows where I'm heading. UNATCO is completely correct to think that Tracer Tong will soon understand Ambrosia. He was the one who was going to receive the shipment. Why tell me all this? I've said nothing that UNATCO won't find on this plane's computer. But here's the secret. This is what Paul was so interested to hear from Tracer Tong. Manderly will be disappointed in your insubordination. That is what happens to a prisoner who tries to escape. Go to the helicopter now, Agent Denton. It is waiting at the airfield. Get to the helicopter. Manderly will want to see you. I have never had this much difficulty with a trainee in my life. I have told Manderly 1,000 times, augmentations do not make an agent.
Manderly has assigned me the peacekeeping occupation of the airport. Standard procedure, it appears. I'm sure we can count on you. I want to be the one to execute Lebedev. Some bad news. Agent Navarra beat you to it. Yes, of course. I will congratulate her. Hey, about my brother. A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. At least we have one of you left. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath to the Coalition. I will be truthful. I have requested the assignment of the Paul Denton. Gunter told me about Paul. It's true. Paul's been working for the NSF. This is gonna shake up the Coalition, JC. I don't know if you realized how important your brother was. Coalition will recover. I'm not so worried about the Coalition. UN officials will probably get involved. You'll have to keep your head down if you're gonna come through this in one piece. Sure you're ready to head back to base? I'm ready. Let's move out. Get in. Et c'est là où on va voir le patron furieux. Stop by his office. Don't sweat it if he chews you out. I think you made the right decision by not killing Lebedev. Manderly's blowing his top. You better go see him on the double. Alors je vais le faire chier parce que je vais aller le voir en dernier. What kind of pain? Behind the eyes, a sharp burning, almost electrical. How's your bioelectric level? It's always at 100%. I like to stay prepared. Get everybody patched up? Everybody except you. You look terrible. I took a few hits this time. Nothing I can't treat myself. Well, let me know if I can help. As usual, take what you need from the med center. Thanks. They just dropped off a few liters of the ambrosia you recovered, by the way. Good work out there, Denton. I want you to know, we will not let your brother's activity cast its shadow on you. Yes, sir. I'm grateful for that. I just wish we'd found out sooner. No harm done. We have you to take his place. Is a few liters going to be enough? Well, no one on staff's gonna catch Grey Dead this minute. Pourquoi je garde la partie là? Merde, je suis con, moi j'ai pas armé le truc. Oui, bah je vais le mettre dans celui-là. Ah les salauds! Je sais pas.
Tiens, je peux aller les voir. Then what you do? I chased them into the building. Weren't you scared? A little, but when I'm wearing this helmet, I've learned to set aside the instincts of a civilian and be completely professional. They had assault guns. Tactically, I had the advantage. It was important to act before the situation changed. How you troopers do it, I can't imagine. Ça devient gênant de pas... Ouh là là. Ouais, attends, je reviendrai prendre celle-là après, mais... Ah ouais, ouais, ouais. Je dis oui. Attends, je vais voir mon copain, l'informaticien. D'ailleurs, j'ai pas repris mon papier. Ah non, il va pas me voir. Sherman, que vous avez résolu le problème actuel et assure que l'opération est juste n'a pas été affectée. Je sais que vous lui avez en termes d'opération. A surprises this time. Paul, a terrorist. Wow. He got me to disobey orders. I don't know what to think anymore. I wonder what it is he found out. Why he'd defect. He thinks he has proof of a conspiracy. Problematique. Wild stuff, huh? I'd like to hear what he has to say. If you hear from him or if you find out where he is, don't worry about the info link. I'll erase the archives. You think he's right? Worth hearing him out. I've never known Paul to make a mistake. Alors, j'ai mon ensemble Nostromo et souris qui s'est cassé la gueule parce que je me suis trop penché en avant pour choper mon papier de notes pour les codes du jeu. Et du coup, comme le boîtier de la souris sans fil s'est ouvert, j'ai ma pile qu'à rouler. Voilà. Le temps de réarmer tout, il va se passer une grosse minute. Surtout que j'ai déboîté le repose-poignet de mon Nostromo, c'est la joie. Alors, attends, je sais même plus dans quel sens ça se met. Alors, là, le bonus de toute cette manœuvre, c'est que j'ai ma prise de notes et mes codes des parties précédentes. Bon, le local 2001 là, que je viens d'ouvrir à l'instant avant le PC, je m'en souvenais. Le code est pas difficile à retenir. Bah tiens, du coup, je vais continuer à pirater les trois derniers comptes, mais il y a à lire là. J'apprendrai beaucoup en lisant mes ralentis. Voilà.
mentionné. Yes. Et alors c'est le médecin qui se plaint. WS. Je vous ai envoyé Alan Sherman pour vous aider à résoudre le problème actuel et assurer que les opérations des joueurs ne sont pas affectées. Ouais. Manderly was tuned in when you reached the 747. It really is all over for Paul. I know it can't be easy for you, not knowing where he is. Alors... Sept, trois, sept, huit, trois, sept. Au premier étage. Ah non, j'ai pas vu mon copain l'armurier. My vest caught a few slugs, but I had a job to do and I did it. Amazing. It was just one. Il est en train de draguer l'autre. Not so good. I don't know who to trust anymore. No one blames you about Lebedev. You refused an order to kill in cold blood, precisely your duty as a UNATCO peacekeeper. I think Manderly will. He'll cool down. The important thing is that you obey your conscience. Right. Tell me what you need, and I'll load you up. Fléchette anesthésiante, j'adore. I'll take the tranquilizer darts for the crossbow. A man of tactics. I like that. Oui, on a le même état d'esprit d'approche du terrain. Attends, mais décidément. Ouah, et... Je vais rester zen aujourd'hui, hein. Je devrais être zen, parce que là, j'ai enfin la paix. Mais il m'arrive que des misères. Que voulez-vous? Oui, et puis j'intervertis le Nostrobo avec les pèses de la souris, comme si j'étais gaucher. Et là, j'ai recalibré. Mon coussin sous mes fesses. Mais je m'en fous d'être coloré. Je viens d'activer en tirant sur le câble la commande du casque qui permet d'activer toutes les diodes électroluminescentes. Sauf que c'est pas ça que je veux. Oh là là, j'ai bousillé le jeu. Je peux plus. Ah non, c'est bon. Oh, j'étais pris de vertige, oh mon dieu. Mes capteurs de ma tête. Eh oh, dis donc. Eh, ça correspond pas au discours que tu m'as tenu précédemment là. Sois cohérent, mon couillon. Oh. I said move out. Banana, banana. Alors. Je vais directement voir le médecin qui est dans la salle cafétéria. La cafétéria qui est là-bas. Non, c'est le bureau du frangin, ça. Ah, mais il s'est cassé, le con. Il est pas au choc. Ah, il s'est cassé. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il se casse. Il doit être dans la salle interrogatoire dans laquelle j'étais. Paul dit que UNATCO utilise l'ambrosia supply pour influencer les nationaux gouvernements. What do you think about that? So it's true. He went over to the NSF. He makes some sense. I ignored the mission objective of killing his boss, Juan Lebedev. But Agent Navarre intervened. What did Manderly say? I didn't talk to him yet. Oh, you better get to his office. He's not going to like that one bit. Mm-hmm. Bon, bah, je vais aller voir le patron. Le patron va passer un savon. Tiens, la porte est grande ouverte. Et Nava.
part, elle est retournée dans son bureau ou pas? Voilà, j'ai pris une caméra. Ah non, elle est pas dans son bureau. Ouais, bah lui, il est à l'aéroport. Il continue sa mission. I can't believe it, JC. What got into Paul? I guess he got a better offer. What a blow. I don't know how we'll recover. It's almost like losing a son. I don't understand it myself, but we've got to go on. Is Manderly available? Go right in, JC. He has a lot to discuss. If there's a conspiracy, it's a Bursalite. They're the ones making money off the play. Ouais, mais on verra avec Bursalite. You better not keep him waiting. Alors, quel disco il va me tenir? Ah bah tiens, il n'est plus dans son fauteuil là, il est au bureau. All right, Denton. What the hell happened? You were under direct orders. My orders. Sorry about not killing Lebedev. He seemed worth interrogating. We don't give you enough information to make a call like that. I guess that means I don't get the op bonus. You can turn in your weapons right now. You're going to be a smartass. I risked my life and I recovered the Ambrosia. I deserve compensation. We don't have time for trifles. Whatever, take it. But it will be the last one. Clearly monetary incentives don't work with you and Paul. I try to do the best job I can. Just shut up and listen for a second. Christ, JC, this kind of behavior, not to mention your brother's defection, is making certain powerful people very nervous. Nervous about you. Understand the importance of loyalty, don't you? Yes, but... Well, that's what seems to be missing in you and your brother. Brace yourself for an ugly lesson, JC. Coalition has shut down Paul's augmentations and has activated the kill switch. Activated what? He's our enemy now. He's gone, JC. The Coalition wants you to understand that he's just another terrorist. Like the ones that have died by your very hand this evening. Can they really kill him? With the press of a button? Yes, and you too. So take these orders seriously. They're sending you to Hong Kong. What about Paul? Will I get to see him again? Please, just get your equipment and meet our pilot, Jock, at the helipad. You'll need to take out a man called Tracer Tong, Paul's contact in Hong Kong. Prove that they can trust you. JC? Yes. It's critical that they trust you. À mon avis, je me mets dans la merde si j'ai trop de révélations dès le début. Parce qu'il faut que je trouve la personne qui va pouvoir me retirer l'implant qui me tue à distance. La télécommande, en fait. Donc à mon avis, je vais pas continuer avec la partie là. Au moins, je vois le coup de colère de... I just can't get over it. How could Paul do this to us? Je vais m'amuser encore avec quelques intervenants, mais... Attends, c'est qui, lui? Ah bah, c'est le Big Boss. I saw you listening in. Yes, it's true. I have augmentations like yours. Don't you work down in Washington? Actually, I'm the director of FEMA. Sounds like you wouldn't have much use for physical augmentations. You underestimate the demands of my work. We deal with every sort of natural and unnatural disaster you can imagine. But you're the director. You work behind a desk. Am I behind a desk right now? No, I'm not. That's because we have a situation here in New York. I got to my position because I can fix things. You will see shortly because, as you have probably noticed yourself, this agency is broken and needs an overhaul. What do you mean by overhaul? You will receive a memo in a few days. I am still collecting data. UNATCO was very effective this evening. We recaptured the shipment. You don't have to worry, Agent. It's the softer elements I am after. Like who? You're beginning to exceed your clearance. What are you? Angel OA? Excuse my persistence. I'll wait for the memo. Good. Carry on. I said no more questions. Alors, il faut que je revoie le médecin et l'informaticien. Juste pour savoir ce qu'ils ont à me dire. Hop.
peut-être l'armurier aussi. I said move out. Ouais. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Voilà, mes deux compas, ils sont là. Looks like the cleaner bots were busy while I was gone. Busy day, but as you can see, I got to everyone. Il a plus rien à dire finalement. Alors. Mon copain informaticien. Just hang in there. I'll let you know if I find out something. Ouais, bon. Oh, la bonne blague. L'erreur Windows. Ah, le blue screen. Ah, elle est bonne. Fatal Exception. Oui, ils pouvaient pas mettre Windows. Ah, hein. Oh, ils auraient pu faire un jeu de mots au lieu de Windows, je sais pas, mettre un truc comme j'adore. La porte au lieu de la fenêtre. Idore, ça aurait été excellent. Exler, ça veut rien dire. À moins que ce soit du... Pas du patois anglais, mais du... Pas du jargon, qu'on appelle ça. Un sous-canal de communication, là. Merde, ah, je retiens jamais le nom. Enfin bref. Ça aurait été plus marrant, mais bon, tant pis. Ah, je sais pas quoi faire. À mon avis, de trop en savoir, c'est pas bon. J'hésite, hein. Je suis face à un cas de conscience. Soit je continue la partie là, j'en sais trop, et ils vont me désactiver à distance. Dans le scientifique à Hong Kong, je vais pas le buter. Je vais coopérer avec lui, donc je vais devoir fuir le Nightco. À mon avis, c'est la dernière fois que je suis ici. Ah, je sais pas quoi faire, ça me bouffe. Ça me bouffe. Je réfléchis. Bluff le patron quand il dit on a été commandé pour vous tuer à distance. En fait, c'est un mot à dire devant le cyborg. Je pense pas qu'il puisse. Ça doit se faire par voie sonore orale, si je puis dire. Je pense pas qu'il puisse donner l'ordre à distance. C'est trop bizarre. Parce que si le frangin est encore en vie, finalement, ce que m'a dit le chef des terroristes, il pourra me le répéter quand on sera pas sous écoute. Non, à mon avis, je vais recharger la prochaine partie. Tant pis. Tant pis, mon choix est fait. On va dire que mon choix est fait. Je reste pour le moment un bon toutou qui lève la patte quand on lui demande. Mais c'est pour mieux retourner ma veste plus tard. Excellent. You have passed the final exam. My pleasure. Mission complete. A chopper is waiting outside to take you back to Liberty Island. Et là, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que dit l'informaticien. Puisqu'il connaît pas les infos. Enfin, même moi, j'ai pas les infos pour le moment. Putain, le con, il est KO sur le. J'embarque le corps, elle le tuera pas.
C'est pas interdit. Et je ramenais le corps jusqu'à... Moi-même jusqu'à Lunetco. Faut que j'aille planquer le corps. See to the helipad. We know your brother was here. He is gone, but we will find him. All clear, sir. Le pire, c'est qu'il pourrait croire que j'embarque le corps du chef des terroristes. Parce que c'est ma mission. Non, non, franchement, là, je suis pas encore en situation de pouvoir retourner ma veste. Manderley, quand je vais aller voir faire la connerie de me dire que je peux être désactivé, entre guillemets, à distance. C'est là où justement le protagoniste, c'est logique, notre héros, doit commencer à cogiter et à se dire merde, il faut que je me fasse extraire la télécommande de mon cerveau pour pas me faire buter à la demande. Terroriste, la NSF que je porte sur mon épaule, il est qu'endormi. J'organise sa fuite. C'est vrai en plus. Techniquement parlant, il n'est qu'inconscient, il n'est pas mort. Je ne sais plus. Il était où le port ? Je crois qu'il était là-bas le port, au fond à gauche. Merde, il y a un soldat. Dans la flotte, il est considéré comme mort ou pas? Alors ça, c'est un test amusant à faire. Ah mais là, il va mourir noyé là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire à quoi sert la bouche d'égout du coup. Cadavre. Oui, là il est mort. Là effectivement il peut plus respirer. C'est logique. Manderley has assigned me the peacekeeping occupation of the airport. Standard procedure, it appears. I'm sure we can count on you.
I want to be the one to execute Lebedev. Some bad news. I already took him out. Yes, of course. Congratulations, Agent. Hey, about my brother. A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. At least we have one of you left. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath to the Coalition. I will be truthful. I have requested the assignment of the Paul Denton assassination. Des soldats de l'UNATCO partout. Cet hélicoptère là, forcément, il est réquisitionné. All clear, sir. Faut vraiment que je le remette dans le couloir de mon arrivée, qu'il puisse se barrer quand il va se réveiller, le chef des terroristes. Si on veut lui laisser une chance de s'enfuir et de s'offrir une nouvelle vie. We've disabled the security grid. Là, je joue mon personnage à fond, roleplay, comme on dit. Ah, c'est vrai que les dalles ont été pétées. C'est vrai, la plateforme elle est bousillée. Ah non, elle a été réparée. Ah non, elle est bousillée. Donc il peut pas passer par là. Par contre, s'il a du souffle, il peut passer par le. Ah mais il pourra jamais remonter, je suis con. Ah non, il est fait comme un rat, le pauvre. Ah, ça se tient. Oui, il est baisé en fait. Pauvre, je suis obligé de le laisser là, mais il va mourir de faim, épuisé. Parce que là, c'est une planque de chiottes, mais oui, j'aurais pu le déposer là, tu me diras. Ah non, tu me diras, c'est des cadavres de SDF, ça va puer. Non, c'est mieux que je les dépose sur le béton. C'est mieux pour lui. Oh ! Un passe-partout, j'avais même pas vu. Ah oui, c'est vrai, il s'est tué lui-même, je suis con. C'est lui qui est passé à travers la baie vitrée. Je pensais qu'il l'avait achevé en... parce que j'avais assommé. Non, ils sont inconscients, ça va. Ça remet trop.
Agent Herman is on his way. Mais est-ce que je peux pas prendre l'hélicoptère là, je suis en train de me dire. Parce que je dois monter dans un hélicoptère. This area is secure. Ouais, tu me diras, celui-là, il est peut-être pas missionné pour... Il est pas missionné pour aller au QG de Lunaco et il est pas visité pour moi, je crois. Ma théorie ne tient pas. Ouais. Non, faut vraiment que je prenne notre hélicoptère. I heard you got Lebedev. Way to go. Hunter told me about Paul. It's true. Paul's been working for the NSF. This is gonna shake up the coalition, JC. I don't know if you realized how important your brother was. The coalition will recover. I'm not so worried about the coalition. UN officials will probably get involved. You'll have to keep your head down if you're gonna come through this in one piece. Sure you're ready to head back to base? I'm ready. Let's move out. Get in. Got the news. Nobody really believes it. See you. You know the drill. Je vais m'offrir une petite pause. J'ai besoin d'une pause en fait.